te remercie. Salut à tous, c'est Cassis. On se retrouve donc encore une fois sur une vidéo sur le zombie de Cold War. Et cette fois donc, je vous montrerai l'amélioration du DCD en mode glace, en mode cryo. Donc comme la précédente vidéo, donc celle sur le poison, je ne vais pas vous montrer donc l'électricité, le sacré punch et tuer le boss pour récupérer la carte. Si vous avez besoin de cela, donc allez voir ma vidéo sur l'amélioration de feu où j'explique tout en détail. Voilà. Pour celle-ci, donc, comme celle du poison, je vous montrerai uniquement les étapes à suivre pour améliorer l'amélioration de glace. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes quand j'aurai, sur la vidéo du poison, quand j'aurai le DCD en face de moi. Voilà. A tout de suite. Alors, voilà, donc j'ai le DCD sur moi, avec moi, comme vous voulez, et donc je vais vous montrer comment effectuer donc le DCD de glace. Alors, tout d'abord, vous devez monter en haut de ce bunker, voilà, en haut du bunker, et là il y a une caisse en bois que vous pouvez voir. Vous tirez avec le DCD. Alors attendez, je vais... On va faire ça sans les zombies. Voilà. Alors vous tirez dessus. Voilà. Bon, j'ai tué les zombies malheureusement. Ça fait chier, c'est dommage. Bon. Ok, une fois cela fait, un Arlène Meyer va tomber. Voilà, vous le prenez. Voilà. Maintenant donc, il va falloir attendre un boss. Alors soit, pour les boss, soit vous attendez... une manche de boss, soit vous construisez l'hétéroscope qui vous permettra d'avoir le boss rouge qui apparaît que quand on a l'hétéroscope dans l'éther noir. Les deux sont possibles. Voilà. Si vous voulez faire l'hétéroscope, voilà, il suffit donc de... Si vous savez comment faire, ben, tant mieux. Sinon, vous pouvez aller voir dans ma vidéo avec l'amélioration de feu. Je montre comment fabriquer les télescopes et comment avoir les pièces. Voilà. Donc, de mon côté, moi, je vais donc attendre d'avoir un boss. Et une fois que j'aurai un boss, je reprendrai la suite du vidéo. Donc, je vous dis à tout à l'heure. J'étais assez vite. Alors, je suis dans une manche de boss. Et donc là, vous venez donc au site de crash ici. Et là donc, sur ce gros arbre qui est ici, il y a un énorme champignon. Vous venez et vous vous mettez à côté. Il faut que le boss vous envoie une de ses boules vertes. Voilà, regardez, il charge. Voilà. Une fois cela fait et que le champignon est en violet, vous venez et vous... Alors attendez. Voilà. Faites gaffe que dans la boule violette, vous prenez des dégâts. Vous venez et vous posez. Ah bah je l'ai déjà fait, ok. Ça m'avait pas dit. Ok, bon. Ok, donc là l'Arlène Meyer est posée. Là donc juste ce qu'il y a à faire, c'est attendre. Ce n'est pas une étape qui demande des âmes de zombies, enfin de tuer des zombies ou de faire quelque chose en particulier. Il suffit juste donc d'attendre que l'Arlène Meyer se remplisse. En attendant, du coup, vous pouvez tuer le boss que vous avez, qu'il y avait donc. Vous n'êtes pas obligé de le garder en vie. Mais garder tout de même un zombie pour ne pas passer la manche et ne pas être embêté par la manche d'après. Alors, est-ce qu'il a fini? Non, il n'a pas fini. Donc là... Vous attendez, hein, comme je vous l'ai dit, vous attendez, voilà, vous faites tourner un zombie. Voilà. Une fois qu'il y a le liquide bleu, comme ça, vous le prenez. Voilà. Et vous retournez à, dans la salle où il y a la toux passe-passe. Donc là, vous descendez, et là, vous prenez à gauche.
Putain, je suis lent. Ici, voilà. Et là, donc là, vous allez là. Et une fois là, il y a une caisse. Avec des chaînes. Vous versez le liquide. Voilà. Et vous appuyez sur F. Ou sur... la touche Y, je crois, sur Xbox ou carré pour la Play, bref. Vous appuyez et voilà. Donc vous avez la munition cryo, donc l'amélioration de glace cryo. Voilà. Donc, et bien voilà. Donc c'était voilà le glace qui est plus ou moins facile, comme à peu près comme le poison, car il ne demande pas l'éther noir. Il ne demande pas des étapes dans l'éther noir ni. Ni de faire l'hétéroscope. Voilà, il suffit donc juste d'attendre une manche de boss. Comme le poison, il suffit d'attendre une manche de chien. Et vous pouvez effectuer toutes les étapes possibles en une manche dès qu'il y a le boss. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc voilà, ce guide est terminé. Et donc je vous dis à plus tard. Pour une prochaine vidéo, une quatrième et dernière vidéo pour les améliorations du DCD. Voilà, pour la dernière amélioration qui est l'amélioration électrique. Voilà. Donc je vous dis à plus tard et possiblement pour la prochaine vidéo, ce sera le... Enfin, pour après les guides d'amélioration, peut-être que ce sera le secret de la map Die Machine. Ou 10 machines, comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Voilà. Ciao tout le monde!